Ta ville au polar, c'est le thème du concours organisé cette année par la Biennale de l'Image de Nancy. Une façon de rendre hommage au Polaroid, un appareil autrefois méprisé qui reconquiert aujourd'hui artistes et nostalgiques. Francis Gérardin et Olivier Bouillon ont suivi un des participants dans son raid instantané. Voilà bientôt 7 ans que Vincent a quitté Chalon-sur-Marne pour Nancy. Et depuis, il ne se lasse pas d'en arpenter les rues. Je suis venu ici parce que j'adore la ville. Du coup, c'est pour ça que je me suis arrêté. Et puis, je sais pas, je tombe amoureux. De quoi ? Ah, de tout. De l'architecture en soi, qui est vraiment, vraiment très, très belle ici. Comparé à la Marne, ça n'a rien à voir. Pas étonnant que le jeune plasticien ait été emballé par le principe de ce concours photo sur le thème de la ville. Alors aujourd'hui, il a troqué son numérique pour le Polaroid de rigueur et ça bouleverse complètement sa façon de travailler. Ça n'a rien à voir avec le numérique. Le numérique, c'est on pianote sur l'obturateur non-stop et on regarde le résultat après. Là, on n'est pas sûr du résultat, donc il vaut mieux prendre son temps et puis vraiment réfléchir à la meilleure disposition, le meilleur éclairage ou au pire, y aller et mitrailler une fois. C'est tout, c'est le hasard. D'ailleurs, c'est un peu le hasard qui lui a mis en main cet appareil venu tout droit du passé, comme une sorte de madeleine en plastique. C'est génial, c'est un vrai plaisir. Parce que je me souviens, quand j'étais petit, les photos qu'il y avait accrochées au mur dans la maison familiale, avec une petite photo noir et blanc, Polaroid, bien piquée, bien vieille, mal cadrée, c'était marrant. C'est pas celui-là ? Non, celui-là c'est un reconditionné, il a un vécu que je connais pas et... Du coup, je leur donne une seconde vie, du coup, c'est magique. Mais Vincent n'est pas le seul passionné de Polaroid. Rien qu'à Nancy, ils sont des dizaines qui se retrouvent en vieille ville, dans cette boutique spécialisée. Bonjour. Ils y viennent pour acheter leur appareil, des films, ou simplement pour se montrer leurs photos. Elles évoluent encore, hein ? Oui, elles étaient à l'abri pour l'instant. Combien de temps, là ? Pas beaucoup, 20 minutes à peine. Ah oui, donc elles vont encore foncer, elles vont prendre un peu plus de teinte. Oui. Plus noir et blanc, mais elle reste quand même, de toute façon, noir et blanc, Polaroid, ça reste un peu sépia. Ouais. Hein, ici, on a vu l'engouement renaître depuis 3 ans, quand la nouvelle s'est répandue comme une traînée de magnésium. Une usine a repris la fabrication de films compatibles avec les appareils originaux. On sort les Polaroids des armoires, et puis c'est souvent justement les petits-fils, les petites filles, les jeunes qui veulent les utiliser, qui veulent voir ce que ça donne, d'autant que les photos donnent des effets assez particuliers. Qu'on obtient avec aucun autre appareil. En choisissant le Polaroid, la Biennale de l'Image s'assure la participation d'une communauté en plein essor. Je t'ai ramené l'affiche pour l'expo qui va aller avec le concours donc, de tout en rendant hommage à une pratique amateur longtemps méprisée par les pros. Christophe Bécher. Ah oui, c'est totalement pour les vrais photographes. Là d'ailleurs, parallèlement au concours, on va faire l'exposition de Jean-Christophe Bécher, qui est quand même un grand photographe et qui va nous présenter donc, toute une exposition de Polaroid. Et là, c'est vraiment du travail professionnel. Les lauréats auront l'honneur d'exposer leurs clichés aux côtés des siens à la Galerie 9 du 14 au 26 juin.